Pour terminer, une artiste dont on parle beaucoup en ce moment, qui est à la fois chanteuse, comédienne, Ingrid Cavan. Oui, on l'a vu dans Violenta récemment, on l'avait vu dans La Paloma, le fameux film de Daniel Schmidt. On va la voir à Cannes dans Désespoir de Fassbinder et à Paris dans Le Rôti de Satan. Alors Ingrid Cavan, qui chante, c'est un personnage tout à fait particulier. Elle est blanche comme les nuits, provocante comme l'enseigne au néon d'un hôtel de mauvaise catégorie. Elle chante des histoires de prostituées habillées avec une robe sublime d'Yves Saint Laurent. C'est, si vous voulez, Lady Asphalt ou la Madone des trottoirs. Et c'est l'incarnation d'une sexualité hyper réaliste. Si vous voulez, Ingrid Cavan, c'est la nouvelle Marlène. C'était pendant la nuit du carnaval. Il était vieux, elle était pâle. Quand il lui a souri, elle a souri. Elle avait peur, c'est à la vie. Un peu de moule à faire fut dans le sac. Il lui a demandé de la maladraque. M'a promené pas loin de toute la nuit. Viens avec moi, chasser l'ennui. Pensait à parfois, il peut mentir. L'important est que lui se tire. Elle a vidé son verre, on dit combien le fait au jour. Elle était bien vivre, c'est vivre si on savait mourir. On appelle ça mourir si la vie serait-il. Vivre, c'est vivre si on savait mourir. Et on appelle ça mourir si la vie est seule. C'est un vieux fantasme d'écrivain. L'an dernier, Jean-Jacques Schull publiait Ingrid Cavan, roman et prix Goncourt. Ce soir, Ingrid Cavan monte sur scène et chante. On peut sourire en pensant à Anna Karenine ou Madame Bovary qui aurait chanté. Qu'est-ce que Madame Bovary aurait chanté d'ailleurs? Et pendant ce temps-là, moi je fais la 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 la. Ingrid n'est pas Madame Bovary, elle s'est échappée du livre et chante les mots de Jean-Jacques. Tout ça s'effacera. Des mots, des simples mots que l'on écrit et tout d'un coup ils s'incarnent sur une scène à travers un corps, surtout un corps aussi singulier, aussi musical, c'est quelque chose de, en effet, de très troublant. Moi j'ai écrit un livre qui a environ 300 pages. Au cours des 300 pages, une bonne partie de ces pages, je les ai employées à essayer d'élucider le mystère d'une présence sur scène. J'y suis pas arrivé et c'est irréductible. Peut-être qu'il faut venir l'écouter pour voir ce qu'il manque au livre, c'est-à-dire là, ce qui est là, la chose sur scène. Et sac, sac. Sur... Interprète. Merveilleuse faculté de donner ce qu'on ne possède pas. Ingrid Cavan interprète Jean-Jacques Schull et Mozart et Fassbinder, Marlène Dietrich, Yves Saint-Laurent. Je ne suis pas un miracle, hein. Non, je suis miraculée par les gens avec lesquels j'ai vécu et j'ai travaillé, et les deux ensemble, et ça c'est des cadeaux pour moi, qui m'ont pas empêché aussi d'être conne, d'être bête, d'être mauvaise actrice, mauvaise chanteuse, mauvaise, et des fois magnifique, voilà, c'est tout. On dansera sur cette terre-là. Il n'y a pas de miracle, en effet, si Ingrid Cavan est devenue un roman, c'est à force d'exister. Je ne serai plus là.